J'ai l'impression d'un grand fan de Val, non? Ah, je kiffe de fou, mais en fait, c'est grâce à un pote à moi qui m'avait envoyé ses sons à l'époque où il faisait branleur, des trucs comme ça, tu vois, quand c'était NQNT, NQNQMB, et tout le bordel, quand il sortait juste ses mixtapes, et depuis, bah, il a percé de fou, quoi. T'as eu du mépris. Pas du tout. Mais pas du tout. Toi aussi, tu veux être archéologue. Est-ce que tu regardais les... Attends, il y avait un documentaire sur la Terre des dinosaures. Est-ce que t'as regardé ça? Les dinosaures, c'est ma vie. Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse entre vous? On va peut-être nous laisser entre vous. Si t'es archéologue et que tu kiffes les dinosaures, c'est compliqué de faire ce métier. Et finalement, t'as abandonné? Bah écoute, moi j'ai l'impression, j'en parle un peu dans le spectacle, mais j'ai l'impression que je retombe vite fait sur mes pattes avec justement ce concept-là de replonger dans l'histoire et de ressortir des vieux bails de des fois on remonte même 4 siècles avant Jésus-Christ, tu vois. Donc petit, t'allais creuser un petit peu Mais n'importe quoi, on achetait des trucs, je me souviens, alors est-ce que tu connaissais ça? Enfin mes parents m'achetaient un espèce de bac, ouais. Où genre t'y avait de la terre, t'avais un petit pinceau et tout. Et tu déterrais des trucs et tu croyais, enfin moi je pensais que je croyais à moitié que c'était un vrai dinosaure, tu vois. Ouais, moi j'ai retrouvé mon chien mort comme ça, c'était génial. Les parents d'Alexandre, ils achetaient ça, ils cachaient dans le jardin, ils disaient ouais, va creuser vers là-bas, il y a des petits trucs. Et puis ça se finissait plutôt bien. Est-ce que tu fais souvent des rêves actuellement? Des rêves la nuit? Oui. Et tu t'en souviens le matin? Ça dépend, j'ai pas toujours envie de m'en souvenir. Le dernier en date là? Non, mais pas le dernier en date. Mais est-ce qu'il y a une thématique qui revient souvent ou des rêves qui t'ont marqué? J'ai rêvé pas mal de foot en ce moment et je rêve d'un truc angoissant, c'est que je suis dans le vestiaire et je m'apprête, en fait l'entraîneur, pourquoi je suis dans le vestiaire je ne sais pas, parce qu'en fait il veut me faire rentrer pour un match, toi, très important, genre je suis équipe 1 du PSG et en fait je ne rentre jamais. Aïe, aïe, aïe. Et je passe dans tout mon rêve à être en train de... Il y a toujours une galère, genre je cherche mes crampons. C'est la même phase. Mais voilà, tu rêves que t'es Levin Karzawa, mec. Pas mal. Mais je te jure, en ce moment, ça m'est arrivé 2-3 fois de suite et je suis là en panique et tout. Genre, ça y est, je vais rentrer, mon rêve va se réaliser, je suis au Parc des Princes et tout. Et je sais pas faire mes lacets, comment je fais? Ah, coach! C'est stressant, c'est marrant comme rêve ça. Bah ouais. C'est un peu une obsession. Est-ce qu'on rêve aussi autour de la table et on s'en souvient un peu? Moi j'ai fait un rêve de foot aussi il y a pas longtemps. Ouais. Ça n'a rien à voir. Je vais te dire un truc. Il y a eu une affaire où Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Foot, a dit que l'histoire entre Benzema et l'équipe de France était terminée. Ouais. Benzema lui a répondu en lui disant mais c'est pas vous qui décidez, c'est moi machin. Et du coup je sais pas pourquoi, comme j'ai lu ça avant de me coucher, j'ai rêvé que j'étais le conseiller de Benzema et qu'il était à deux doigts de retourner à l'Olympique Lyonnais. Et moi je disais mais mec t'es au Real Madrid, qu'est-ce que tu vas foutre à l'Olympique Lyonnais? Il me disait non mais je pense que c'est bien pour jouer en équipe de France. Je dis mais c'est mort frère, t'as 32 ans, Zidane il est pas là, c'est mort. Et donc j'ai rêvé de ça, c'est pas ouf mais voilà. Baptiste est réveillé en sueur. Cynthia? Non, je peux pas le dire, ça va ruiner mon image. Oula. Bah je vous jure c'est pas une blague, ça fait plusieurs jours que je fais des rêves érotiques. Ah. Mais c'est vrai en plus hein. Et avec qui? Soit je fais des rêves des noms. Bah avec mes collègues donc ça craint. Wow. Pas par envie mais je pense qu'on passe trop de temps ensemble. On embrasse Didier de la compta. Non mais c'est pas une blague, tu veux que je réponde? Alors, je réponds, je suis transparente. Isabelle mais... Morini-Bosque, un bon coup ou pas? Non, c'est pas les chroniques. Arrête parce que c'est ma collègue aussi officiellement. Oui c'est vrai, bah oui, RTL, Isa. Question suivante mon cher Alexandre, quelle musique moderne ou classique aurais-tu rêvé de composer? Jaja, Nakamura. Ouais, tricky. Je peux en dire deux? Oui, bah, bien une sûr. Classique et une moderne. Une classique. Parfait. Et une moderne. Moi, le truc classique que je kiffe, c'est un impromptu de Schubert. Je sais pas, vous avez vu Trop belle pour toi, le film ou pas? Depardieu, Bouquet, Balasco, il fait oui, il dit non de la tête. Tu l'as vu ou pas? Alors, j'ai peut-être vu, ouais. C'est vrai? Ouais, bien sûr. Ok, bon, bref, ça c'est mon morceau préféré en classique. Okay. Tu vois, genre, c'est un truc, ça me rend fou à chaque fois. Des fois même. Dès que tu l'entends? Des fois même, je le joue mal tellement il me fout mal. Tu vois, c'est-à-dire que ça me met tellement, ça pas bien tellement dans un état. Presque une fuite du truc en mode vas-y, nique, ça me brise trop le cœur, machin. Non, je te jure. Ou comme une nana que t'aurais pas envie de revoir parce qu'elle te fait trop de mal. Je vois mieux là. Ok, et un truc moderne. Journal perso 2 de Vald, c'est une dinguerie. Et le clip est incroyable aussi. Mais j'ai un pote qui joue dans le clip. Ah ouais? Adrian Monali. Ah. Je sais pas s'il écoute mes big up. J'ai vu que ton pote c'est Astrid Nilsa. Non. Ah non, elle se fait. Ouais, on va changer de clip. Ouais, dans le milieu du rap, ça peut être mal interprété. Hein. On parlait du clip. Voilà, donc Schubert et Vald. Et j'ai l'impression d'être un grand fan de Val, non? Ouais, je kiffe de fou, mais en fait, c'est grâce à un pote à moi qui m'avait envoyé ses sons à l'époque où il faisait branleur, des trucs comme ça, tu vois, quand c'était NQNT, NQNQMB, et tout le bordel, quand il sortait juste ses mixtapes, et depuis, bah, il a percé de fou, quoi. Et maintenant, il a fait Bercy, là, avant-hier, non? Tout à fait, ouais. La Corotel Arena, là, c'était fou. Question suivante, accroche-toi. Tu te réveilles un beau matin, et tu as rêvé que Mimi Mati jouait du piano sur les doigts de pied de Gérard Depardieu. Elle, en tout cas, elle joue du piano debout, ouais, hein, ça c'est sûr. Comment réagis-tu? Waouh. Je prends mes cachets. Tu te fais une petite piqûre, une petite picouse. En vrai, Gérard Depardieu, c'est stylé, tu vois.
Surtout que les doigts de pied de Gérard Depardieu doivent être. Mais en fait, j'essaie d'imaginer la fort scène. Fort beau visuellement. Il se passe quoi? Il est sur une chaise. Et ça donne là, quoi comme musique au final? Parce que... Pour être très honnête avec toi, il n'y avait pas vraiment de réponse adaptée à cette question. Ah bon? Ah bon. Dans ton spectacle, il est question de rêves et de personnalités qui sont animées, habitées par des rêves. Parmi ces rêves, lequel t'inspire le plus? Bah, je trouve celui qui est le plus fou, c'est celui qui est en dernier dans le spectacle, c'est le rêve de Martin Luther King. Parce que quand tu racontes l'histoire, tu te rends compte que ce mec-là, il s'est retrouvé devant 300 000 pélos à Washington à dire des phrases du genre « Je fais le rêve qu'un jour, les fils d'esclaves et les fils de propriétaires d'esclaves s'asseyront ensemble à la table de l'amitié. » T'es là, tu te dis « T'as le mec... Et il avait les coronesses, quoi. Ouais. T'as 300 000 pélos en face de toi, lui, il est black, et ils en ont chié comme de pas possible, et il arrive avec un discours comme ça de paix, d'amour, ouais, de fraternité, c'est incroyable. Et ça, c'est hyper inspirant. C'est ce qui clôt ton spectacle. C'est le dernier rêve, après, il y a tout un truc pour ouais, finir le spectacle, bien sûr. Tout, mais c'est le dernier gros rêve corpus du spectacle, c'est celui-là. Et tu vois, on parlait des mecs qui ont eu des vies tourmentées et torturées pour être géniaux. Lui, quand il dit ça, tu te dis juste chapeau, le gars, quoi. Enfin, c'est des gars qui font avancer le monde, en fait. Ouais. Deux dernières questions. Alexandre, avec quel artiste vivant ou disparu rêverais-tu de faire une collaboration? Bah, je vais redire Vald. Hein. Vald. Ouais, le VLD. Oh là là. Mec, c'est, tu, franchement, tu as plus d'amour pour Vald que Martin Luther King, ça me fait un peu de peine. Non, mais mec, tu nous sors un truc, tu parles d'un moment historique, et genre après, moi j'attends à ce que tu me dises, bah écoute, franchement, j'aurais envie d'être avec lui devant ces 300 000 personnes à Washington, et non, tu fais, ah oh, Vald, VLD. VLD Valentin. Mais c'est ça que j'adore, c'est ça qui est très riche d'être à la fois un fanat d'histoire, et en c'est même vrai, temps hyper ancré dans son temps, et être fan de rap et de Vald, c'est ça qui est beau. C'est vrai. Alors tu nous as dit que le Bataclan c'était un rêve. Ouais. Est-ce que tu as d'autres rêves qu'il te reste à accomplir? La question à 200 milliards. Si, de fou. Mais après, pour rester dans le domaine un peu du spectacle et tout, moi, c'est sûr qu'à terme, enfin, on touche du bois, mais... C'est du plastique, pour le coup. Ouais, attends, c'est vrai, je suis dans la merde. C'est du bois, ça. Bon, ouais, bref, mais j'allais dire faire un Parc des Princes. Mais moi, avant de mourir, je fais un Parc des Princes. C'est retour des Princes au piano, oh là là. D'ailleurs, c'est le retour des concerts au Parc des Princes. Je crois qu'il y a Dadju et Nekfeu aussi qui sont programmés. Donc, mec, ça va commencer à être possible. Avec Ravière en première partie. Ah ouais, putain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette petite interview qui nous a permis d'en savoir plus. Merci à toi. Sur les rêves et sur tes rêves.